Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre channel Radio Synergie Tube. Mon nom c'est Kader le métronome, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui mercredi 25 novembre 2020. Merci de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Jeudi, nous allons parler d'une triste nouvelle. Nous allons parler d'une nouvelle qui mettait tristesse à la peine dans le cœur un paquet de monde. Nous allons parler de Diego Armando Maradona qui est mort jeudi mercredi 25 novembre là, et à l'âge de 60 ans. Oui, mesdames, messieurs, Diego Maradona est un dieu du football mondial, un génie, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps et le meilleur footballeur argentin de tous les temps. Il nous a laissé aujourd'hui à l'âge de 60 ans suite à un arrêt cardiaque. Malheureusement, il est parti un petit peu trop bonheur. Nous t'es espéré et que nous t'appuyons beaucoup plus longtemps. Donc, les champions du monde avec l'équipe d'Argentine en 1986, joueur football club Barcelone dans un premier temps, puis il était à jouer dans l'équipe. Dans l'équipe napolitaine, non, en Italie. En fait, lui, c'est un joueur qui, en fait, il est quand même le génie du football. Et c'est un génie, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Donc, Maradona, en quelque sorte, arrête et dans yeux tout le monde comme un meilleur joueur football qui gagne dans le monde. Là, il mourut jeudi à l'âge de 60 ans. Suite à un arrêt cardiaque. Il mourut Buenos Aires, en Argentine. Et le gouvernement argentin a décrété, trois jours de deuil national pour capable saluer départ de légende football, ça, pour capable saluer départ et prématuré de Diego Maradona. Année 2021, il n'y a pas une année qui est trop bon pour fanatiques et pour nous-mêmes. Non seulement il y a le coronavirus, mais il y a une pile star qui est parti dans le monde là. Kobe Bryant est parti et dans le début d'année avec un accident d'hélicoptère. Nous avons un acteur Black Panther qui est parti. Nous avons un paquet d'autres stars qui quittent nous malheureusement dans l'année 2020. La prêté gravée comme une année qui est beaucoup plus touché moun, qui est beaucoup plus triste qu'on a vu fin pile mois à travers le monde. Quelque part, nous pouvons oublier année ça qui paraît comme une plus mauvaise année qui gagne dans le monde là. Donc, je ne t'ai dit, Maradona, c'est le plus gros joueur argentin qui gagne de tout le temps. L'imour aujourd'hui, suite à un arrêt cardiaque, et c'est la presse argentine qui annonçait nouvelle là. Donc, malheureusement, ancien joueur napolitain, lui quitte nous et un peu prématuré. Et lui salué, il a été salué par la presse de façon générale, et la presse du monde entier, mais aussi par une équipe personnalité importante, personnalité de football, personnalité de toutes qui sorti dans plusieurs secteurs différents. Il a salué départ légende ça, il a salué départ génie football ça, qui c'est Diego Armando Maradona, mesdames, messieurs, qui malheureusement quitte nous à l'âge de 60 ans, un peu trop tôt, mais quand même, il va rester dans la mémoire de ses fans, il va rester dans l'histoire, il va rester comme l'un des meilleurs sportifs de tous les temps. Je vais même dire football, je dis sportif, parce que non seulement dominé et mon football là, mais il était une légende et tout le monde respectait ça lié en tant que génie que lié. En tout cas, c'est comme ça que nous apprenons une nouvelle là. Bon, c'est d'avoir plus d'informations que nous prenons bail autour de situation ça, autour de la mort Maradona et pour nous connaître qui ça qui prend le fait dans le jour là. Et nous même sur Radio Cine YouTube, nous avons pu informer minute par minute autour de tout ça qui a passé. Pas oublier, abonner avec la chaîne YouTube là, nous pas M. Kader le métronome. Bye!